qu'est le chemin de fer. Pour cet homme habitué aux éreintants voyages en charrette sur des chemins chaotiques, la locomotive à vapeur apparaît comme un bienfait. Ce mouvement hybride est une description libre des notes enthousiastes de l'écrivain qui mène l'auditeur depuis la gare locale vers le sud de l'Europe et les paysages exotiques du Proche et du Moyen-Orient.
tente en vain, le soir du réveillon du Nouvel An, de vendre quelques boîtes de minutes. Les hommes d'affaires fort occupés ignorent, tandis que la fillette rêve d'une maison chaude et d'une table bien garnie. Dans la lueur des allumettes, elle a une vision. Sa vieille grand-mère au ciel qui accueillera bientôt une nouvelle âme, dès que la dernière allumette sera éteinte.
La description des marchés de Constantinople, aujourd'hui Istanbul, est très romantique et bien plus poétique que réaliste. Émerveillé comme un enfant dans un magasin de bonbons, Anderson décrit les parfums de toutes les espèces de thé exotiques, d'encens et de toutes sortes d'épices. Mener la danse avec une femme au bras était davantage un cauchemar qu'un moment de silence. La valse des rêves. Thank you.
Thank you.